comprendre que les bagay, bon Dieu fait, les consoler pour la vie. Les bagay, bon Dieu fait, les satisfaire pour la vie. On pas crier pour grand goût encore. On pas crier pour virer encore. On pas crier pour monde qui a parlé mal encore. On pas crier pour monde qui campait sous moi encore. Parce que Dieu m'a consolé. Amen. Et m'aider pendant ma prêche matin, c'est pour mon Dieu consoler. C'est pour mon Dieu consoler. C'est pour mon Dieu consoler. Que le consoler pour tout problème ou rencontré. Que le consoler pour toute l'eau ou jeter. Que le consoler pour toute réelle ou péter. Que le consoler pour toute sueur ou laguer. Que le consoler pour toute souffrance ou expérimenter. Que mon Dieu consoler en matin, au nom de Jésus de Nazareth. Mesdames, messieurs, salut. On a continué avec une série de messages nous sur le psaume 91 autour du thème à l'ombre du Tout-Puissant. Nous espérons que nous nous bénis et nous encourager pour capable suivre série et partager avec vos amis, avec vos familles et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riche bénédiction. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce et gloire de cette faveur qui nous est donnée de nous retrouver en ta présence en ce matin de sabbat. Merci parce que tu nous as visités, tu nous as soutenus et tu nous soutiens encore. Nous prions pour le pardon de nos péchés. C'est le temps de la proclamation de la parole et nous nous rendons compte de notre faiblesse, combien elle est grande. Mais nous appuyons pas sur la force humaine, mais sur l'onction de l'Esprit. Si nous trouvons grâce à tes yeux, à profit de pardonner les péchés, nous ben nous force pour nous capables de prêcher parole. Permettre que parole la capable présenter avec clarté, avec puissance. Et pitié de vous, capable de recevoir sauf l'effet pour vous matin. Fais ça pour nous par grâce. Nous prions avec pardon péchés dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous invitons à ouvrir Bibou. Avec nous, nous allons considérer deux textes rapidement matin pour nous capables de chita enseignement. Nous inviter à ouvrir Bibou rapidement avec nous dans Genèse chapitre 37. Et après ça, nous allons dans Psaume 91. Genèse 37 dans un premier temps. Genèse 37, verset 18 à 20. Et après ça, nous allons dans Psaume 91, verset 10. Genèse 37, verset 18 à 20. Mais qui sa parole l'a dit? Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur, ouvre les yeux pour nous comprendre une parole pour que nous matin. Pardonnez péchés nous. Fais-nous grâce parce que nous comptons sur vous. Nous reconnaître faiblesse nous, mais nous reconnaître aussi ta force, ta puissance et ta capacité. Viens donc nous éclairer toi-même par l'Esprit Saint, car nous comptons sur toi. C'est la prière que nous t'avons adressée dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il y a des choses qui sont propres à une communauté, des expériences distinctes à un groupe. Il existe également des réalités générales, des choses qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui sont propres à toutes les ethnies. Et l'une d'entre elles est la souffrance. Alfred de Musset disait: l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Musset ne fait pas ici l'éloge de la souffrance à la manière des stoïciens. Il exprime tout simplement un fait appelé en métaphysique un universel.
La souffrance est une réalité que presque tout le monde craint, que presque tout le monde fuit. Personne, sensé ou rationnel, ne refuserait la sortie de l'autoroute de la douleur. À lire ou à entendre le psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente », on est comme saisi par la force de cette déclaration et même interpellé à se lancer dans cette alternative qui offre le moyen d'échapper au mal existentiel. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Un rêve ou une réalité? Je confesse que le message de ce matin a été pour moi le plus difficile de la série, considérant la réalité du COVID-19 qui frappe tout le monde sans exception ni distinction. On ne peut s'empêcher d'admettre que le texte crée une dissonance en ce qu'il dit et la réalité que l'on vit. Il y a une tension entre la promesse de protection et la réalité de la souffrance. Ce verset pose tout au moins deux problèmes, ce que Jason Popocchio appelle le problème de l'expérience et celui de l'histoire. L'expérience révèle que le malheur frappe le juste et tabasse le méchant pareil. Comment donc le psalmiste peut-il dire « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Dit à une épouse qui survit son mari de seulement 2 ans, emporté comme par un ouragan sans trace ni race, « Aucun malheur ne t'arrivera ». Dit à cette mère que j'ai rencontrée environ 2 semaines, qui pleure encore son fils de 16 ans tué par des balles errantes, « Aucun malheur ne t'arrivera ». Explique le sens de ces paroles à une épouse fidèle qui souffre actuellement du sida à cause de l'inconduite sexuelle de son mari. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis à un frère victime du système religieux et de la trahison de ses pères. Aucun malheur ne t'arrivera. Parle à la famille du prophète qui dit la vérité et reçut comme récompense la décapitation, sa tête dans une assiette. Aucun malheur ne t'arrivera. Engage un jeune théologien qui sort à peine du séminaire, mais déjà démotivé par l'hypocrisie du clergé et la pratique d'une politique machiavélique. Aucun malheur ne t'arrivera. Mets-toi devant une jeune fille abusée par un parent qui devait censé la protéger. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis à cette mère qui a perdu sa fille de 5 ans suite à des complications de coronavirus, aucun malheur ne t'arrivera. Corona frappe tout le monde sans distinction. Catholiques, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, adventistes et j'en passe. Tout le monde est frappé. Comment le psalmiste peut-il dire aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je dis que ce verset pose tout au moins deux problèmes. Nous avons le problème de l'expérience et nous avons le problème de l'histoire. La Bible fourmille d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait l'expérience du malheur. Les prophètes de l'Éternel sont tués par Jézabel. Naboth le juste est mort pour son lopin de terre. Uri a délivré lui-même sa lettre de condamnation. Jérémie est emprisonné. Élie est pourchassé. Étienne est lapidé. Paul est décapité. Jean, le dernier des apôtres, est basculé dans une chaudière d'huile bouillante, puis exilé à Patmos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Jean écrira plus tard, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approcha de ta tente. Que peut donc signifier cette parole? Comment la comprendre?
Le mot hébreu qui est traduit par malheur est ra'a. Ce mot apparaît également en Genèse 50, verset 20. Et c'est ce passage qui nous aide à mieux comprendre le concept que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Jacob est mort et ses fils sont pris de panique en revisant le mal qu'ils ont fait à Joseph. Ils pensent maintenant aux conséquences de leur action et comment, aveuglés par la jalousie, ils ont failli détruire quelqu'un avec qui ils ont un rapport de sang. Leur action avait arraché Joseph, maintenant premier ministre de l'Égypte, à l'affection de son père et à une vie de bien-être comme pas possible. C'est une chose de faire du mal à un faible, un plus petit. C'en est une autre de l'affronter quand il est grand. Et me sentir pour moi, pour vos parenthèses, pour me dire, attention, j'en vais traiter au monde l'aile petit, parce que l'ipap est petit tout le temps. Attention, j'en vais traiter au monde l'or mouté, parce que l'ipap est en bas tout le temps. L'or ou même, l'ipap descend, l'ipap croise avec l'ipap monté. So, some of them, quelqu'un se dit, Jean n'est que sa puissance. Jean n'est que sa force. Si on l'est, nous ça t'a mauvais. Et puis tout le tablet tirer vengeance de nous pour tout le mal que nous lui avons fait. Nous sommes cuits. C'en est fait de nous. Ils ont donc envisagé un plan. Ils ont voyé dans un premier temps parole by Joseph pour capable préparer route là pour eux. Et après, ils ont fini. Stay with me now. La première démarche est un appel à l'autorité paternelle. Parce que le texte l'a dit, Négio voyait dit Joseph, ton père a donné cet ordre. Regardez de près le langage. Il a dit, ton père a donné cet ordre. Il a dit, ton père, pas notre père. Why? C'est parce que leur comportement avait violé la relation de frère. Et yo connaît des bagailles ou fait ou pas des droits à privilège frère encore. Gon bagaille on moun fait, li pas des droits vin contre tant qu'on frère encore. Yo pas dit papa nous, mais on dit papa. La deuxième démarche est un appel à la miséricorde du maître. Yo pas réclamer une faveur sur la base d'un rapport de sang, mais on fait appel à la miséricorde de Joseph. Il dit, nous sommes tes serviteurs. En d'autres termes, nous reconnaissons où il y a autorité sous nous. Nous acceptons que mon Dieu levé. Nous rendons compte que ça ne t'a essayé et barré, ça ne t'a fait effort pour pas arriver. L'arriver, et non seulement l'arriver, mais qu'on y a celui qui a protégé nous. Et puis tout, la Bible a dit, les Joseph, dans des bagailles ça, je peux t'écrire. Et moi-même, en tant qu'étudiant de la parole, je me posais tête ma question. Pour quelle raison Joseph criait? Moi, pas quoi que Joseph criait, parce que douleur, trahison, hein, ni paille, ni passé, ou remonter dans la tête, c'est ça qui fait le crier. Non. Parce qu'on doit comprendre que, des bagailles, bon Dieu fait. Les consoler pour la vie. Gébagay, mon Dieu fait. Les satisfaire pour la vie. M pas crier pour grand goût encore. M pas crier pour virade encore. M pas crier pour moun qui a parlé mal encore. M pas crier pour moun qui campe sous moi encore. Parce que Dieu m'a consolé. Amen. Et m'a demandé pendant ma prêche matin. C'est pour mon Dieu consoler. C'est pour mon Dieu consoler. C'est pour mon Dieu consoler. Que le consoler pour tout problème ou rencontré. Que le consoler pour toute l'eau ou jeter. Que le consoler pour toute rêve ou péter. Que le consoler pour toute sueur ou laguer. Que le consoler pour toute souffrance ou expérimenter. Que mon Dieu consoler au matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Joseph criait. Et me posait mes questions pour qui? Moi, pas quoi que Joseph criait parce que Negio obligé à mettre sa souveraineté. Parce que, vous comprenez, Gobagaï, bon Dieu a fait, ou pas besoin à pouval, ni
Ou pas besoin d'approbation ni désapprobation moun. Gen moun ki pa jam bon crédit, gen moun ki pa jam accepter ça bon Dieu a fait. Et raison c'est parce que c'est pas avèl y a fait, c'est pas dans la vie on l'a fait. Mais que yo accepté, que yo pas accepté, it's not your business. You keep on moving forward. Do not lose sleep over it. Do not seek for their approval. Do not seek for anything from them. Si c'est dans bouche yo ou attend aux paroles d'encouragement sorti, ou pas jam joindre. Si c'est dans bouche yo ou attend aux paroles de réconfort sorti, ou pas jam joindre. Ou connaît qui est souillé, ou connaît sa bon Dieu barou, ou apprécier sa bon Dieu barou, et puis tout déclarer m'a avancé. Yo content m'a avancé. Yo pas content à faire m'a avancé. Yo te mettre parler, yo te mettre babier, ça fait m'a régler. Ça fait m'a régler dans l'évangile, ça fait m'a régler dans celle mon Dieu, ça fait m'a régler dans la louange, ça fait m'a régler dans la prière, ça fait m'a régler dans le chant. Yo parler, yo babier, m'a besoin d'entendre. Ça fait m'a régler. Joseph criait et m'a posé tête moi question pour qui raison. Moi rends-moi compte que y a une raison qui t'a censé expliquer crier Joseph là. C'est parce qu'il a vu Dieu accomplir sa promesse malgré le mal qu'il lui a fait. In spite of what they did, God still bless Joseph. And I hear someone say, Pastor, what did they do? Hein? Ou pas qu'on ait histoire. Joseph était le fils de Rachel, la femme que Jacob aimait et pour laquelle il a travaillé 14 ans. Joseph reçut vicairement l'affection de son père parce que sa mère était morte. En réalité, la Bible a dit nous que pour démontrer, manifester, exprimer son affection à l'endroit de ses fils, de son fils Joseph, papa fait pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Well, there is something about the father's favor that incites people to jealousy. Let me say it again. There is something about the father's favor that incites people to jealousy. Depuis où son monde faveur bon Dieu reposé sur la vie ou connaît ou a des monde qui jaloux, connaît ou a des monde qui envieux, connaît ou a des monde qui pas d'accord, connaît ou a des monde qui a parti d'air. In fact, il y a joué une excuse pour yon parler mal quand même. Il y a joué une excuse pour yon railler quand même. Il y a joué une excuse pour yon capable et bien attaquer quand même. Et Bible a dit, à cause de la faveur du Père, à cause de l'amour du Père, à cause de l'affection du Père, n'est qu'yon rangé koyo, et plutôt yon vend Joseph, yon raï Joseph, yon pété fiel Joseph. Notre histoire ça, donc toute l'autre histoire, nous comprenons ça, ça veut dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera. Pablo dit que malheur pas privé, parce que Bible a dit, nous sommes 34 verset 19, ah, le malheur atteint souvent le juste. Attendez, it's bad enough for them to betray him, but it's more painful for him to go to jail for a crime he did not commit. Expérience Joseph là, de la maison du père, pral la gueule, la caille pharaon, et de la maison de Potiphar, pardon, li pral la gueule, nan yon prison. Ah, la résolution de Joseph, pour le capable d'être pur, devant les avances d'une femme sans scrupule, allait lui coûter sa liberté. Et si mon Dieu n'est pas intervenu, la fausse accusation lui aurait coûté sa vie. She said, he touched me. He lied. He tried to rape me. He is a Freemason. He's not a Seventh-day Adventist. He is out of line. This young man is messing up what we are doing here. So she lied on him. She said things that she he never do. Little fella guy,
jamais fait. L'idée marié, ça n'a pas jamais marié. L'idée parler, ça n'a pas jamais parlé. Ouais, nous voulons qu'on est dans la route, mon Dieu, pour aller avec nous là, dans la direction de la mener là. Des gens qui parlent mal, il y a tout dit, sans pas dit. Il y a tout fait, sans pas fait. Mais pas fatigué, bon Dieu, à travailler. Bon Dieu, à agir. L'éternel campé, ennemi au caillé, adversaire, courir devant, au nom de Jésus de Nazareth. Aucun malheur ne t'arrivera. Qui sa parole ça veut dire? And I want you to know, si vous persécutez parce que vous avez fait ça qui est bien, take it like a man. Take it like a woman. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que peut donc signifier cette parole? Comment la comprendre dans ce contexte de mort? Aucun malheur ne t'arrivera. Pablo dit, malheur pas jamais arriver. Mais ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la promesse que mon Dieu fait? Oh? My God. Trouvons nos situations que si ou par contre mon Dieu, ou poser cette question, est-ce que ça mon Dieu dit? Est-ce que la fête? Quand on m'a étudié la vie de Joseph, je ne comprends pas où mon Dieu a fait à même. Il n'a pas fait sens pour moi. À première vue, Joseph, bon Dieu promet Joseph que la font route en haut avec elle. Et là, m'a gardé l'histoire, moi Joseph a descendu en bas. Bon Dieu dit, là en l'air, et puis tout m'a gardé, moi très la vie à prendre. Il descend ensemble avec elle. Qui sont fait même? L'air t'a semblé, bon Dieu dit, ou l'a monté avec elle. Et puis tout m'a très. Pour route descend. Le bon Dieu te dit, Joseph, stay with me now, that you would be somebody one day. Bon Dieu pas dit, Joseph, comment ça t'a fait? But I want you to know that God's dream for you is always bigger than you think. Nous voulons connaître que le bon Dieu pour la vie là, il est toujours plus grand que son pensée. And sometimes to get there, bon Dieu a sometimes to get there, God will use your failures, God will use your pain, God will use your suffering, God will use your life experience. Sometimes to get there, God will use fake friends, He will use fake news, He will use fake Christians, He will use fake brothers, He will use fake sisters, He will use fake family. Sometimes to get there, God will use them to curse you, to gossip about you, to conspire against you, to tie up your hands, to throw you in a pit, to sell you out to strangers, to tear lies on you, to put you in prisons. But I want you to know that it's all in God's plan. Ça n'a pas mon Dieu, qui ça n'a pas mon Dieu, critique yo n'a pas mon Dieu, joué yo n'a pas mon Dieu, passion n'a pas mon Dieu, déception yo n'a pas mon Dieu, humiliation yo n'a pas mon Dieu, trahison yo n'a pas mon Dieu, vos frères n'a pas mon Dieu, vos amis yo n'a pas mon Dieu. Toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Qui sa parole ça veut dire?
Et comment pour me comprendre? Les la vie me tête en bas. Aucun malheur ne t'arrivera. Pas me dit que malheur pas privé. Mais ça me dit. Ça a été fait pour mal là. Bon Dieu a changé l'en bien. There is something. Gon bagay, bon dit en créole, je veux tout le monde comprendre. Gon bagay, frère Joseph, si vous pas de connaître. La Bible dit, en Genèse 34, verset 18 à 20, il dit, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. And watch this. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Stay with me now. Toute manœuvre n'est qu'à faire. Toute manigance n'est qu'à faire. Gagner au seul objectif. Noyer les rêves de Joseph. Mais les gens font erreur. Ils ne commettent deux erreurs. Suivez le langage texte de près. Les gens disent, nous verrons ce que deviendront ces songes. Stay with me now. Je vais vous poursuivre de près. Les gens disent, Pasteur B, nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous apprenons une classe de grammaire les adjectifs possessifs, masculin ou féminin, pluriel. Mais, des, c'est, nos, vos, leurs. Ça, c'est adjectif possessif. Je connais que les gens font erreur parce que ils ont fait de Joseph le sujet de ses rêves. My God, what are you saying, pastor? Ça, les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que rêve là, rêve, c'est pas rêve Joseph yo déye. Rêve yo, c'est des rêves pour Dieu des faits pour Joseph. Aïe 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 aïe. Les songes venaient de Dieu. Des fois, ennemi en fâché, l'énervé pour rêve pour Dieu faire. Mais en réalité, il n'y a pas à faire pour fâcher. Sous qui pour fâcher. Al fâcher avec bon Dieu. Bon Dieu qui va rêve là. Bon Dieu qui va promesse là. Bon Dieu qui fait grâce là. Bon Dieu qui lève mon livre là. Il fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Il bénit qui il veut. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est pas avec pour fâcher. C'est pas onction pour fâcher. C'est pas avec pour nerver. Ajoigne mon Dieu. Parce que grâce qui sous moi, c'est mon Dieu qui moi. La joie de notre crème, c'est mon Dieu qui moi. Manger qui sous tape moi, c'est mon Dieu qui moi. Machine m'a conduit, c'est mon Dieu qui moi. Calimret là-dedans, c'est mon Dieu qui moi. Ministère. C'est mon Dieu qui va mourir. Don't be mad at me. Don't take it out on me. Don't be angry with me. It's not my fault. I'm just blessed. I'm not just blessed, but I'm favored. I'm not just favored, but I'm highly favored. In fact, c'est pas seul moi-même qui béni. Madame moi béni. Petite moi béni. Pasteur bi béni. Madame ni béni. Petite li béni. Sendor béni. Foyer béni. Manger la manger béni. Yasuko béni. Vocal li béni. Rad li mette béni. Jonathan béni. Andy béni. Sophie béni, Naomi béni, Rachel béni, musicien béni, c'est pas avec pour fâcher, adjoint bon Dieu, c'est pas avec pour nerver, adjoint bon Dieu, you cannot intimidate me, you cannot frustrate me, you cannot stop me, ou fâcher, ma béni, ou pomper, ma béni, ou nerver, ma béni, parce que je dis, c'est jour pas non, pour moi, c'est des moyens là, pour me dire qu'il n'y a aucun de la foi, même les moments noirs, pour j'aime dans tes arrières, c'est l'icla couillé, le monde, ta pensée est fini, mais c'est béni, ma béni,
m'a béni, m'a crié en avant, m'a béni, même si épreuve au grand, m'a béni, pour Dieu dans tout puissant, m'a béni, oui, c'est béni, m'a béni. Voyons chat. Voyons texte là, au frère. Dis au frère, béni Benou. Dis au frère, béni Benou. Zendo, béni Benou. Bi, béni Benou. Hey, Yassou, béni Benou. Sophie, béni Benou. Béni Benou. Béni Benou. Béni Benou. Prends la sou. Voyons texte qu'on y a. Dis au monde, béni Benou. Dis béni Benou. Vara, béni Benou. Polo, Bofrem, béni Benou. Netsoni, Canada, béni Benou. Moun Canada, yo, béni Benou. Maman New York, béni Benou. Soliman Haïti, béni. Béni Benou. Ma béni. Mon Dieu, non, tout puissant. Piki d'or, Yassou. Ma béni, oui c'est béni, ma béni, m'a crié en avant, ma béni, hey, même si, oh, ma béni, mon Dieu n'a tout puissant, ma béni, oui c'est béni, ma béni, oh, je dis à ces jours pendant, pour moi fait témoignage là, pour me dire l'autre aimé la foi, même les mouvements noirs, mon Dieu n'a dit la hier, c'est lui que la couillée, le monde pense fini, oui c'est béni, hey! Ma béni, chantez, ma prière en avant, ma béni, même si épreuve au grand, oh ma béni, ma béni, oui c'est one more time, ma béni, ma crié en avant, ma béni, même si épreuve au grand, oh ma béni, mon Dieu n'a tout puissant, ma béni. C'est béni, ma béni. Vous dites, fait deux erreurs. Première erreur, n'est-ce que fait, n'est-ce que pensez rêve, c'était rêve Joseph. Deuxième erreur, n'est-ce que fait, n'est-ce que pensez que les vendre Joseph, ils étaient capables de bloquer le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Mais ça, n'est-ce que pas de comprendre. N'est-ce pas comprendre que Léo Van Joseph, they gave him a free ride to his destiny. Bon, me dis encore. N'est-ce pas connaître Léo Van Joseph, yo ba Joseph en roue libre pour mener dans la place destinée. Yo met gaz dans la machine. Parce que, dès qu'on t'a bralé, ou pas besoin de payer pour lui. Sauti coup de pied à barou. Et puis tu yo la yo la go là. So ou libre ou abouen. Et puis tout le ciel atterri. Bénédiction en dans la caille. C'est ça mon problème. Parce que les nègres Van Joseph, yo pensé y'a éloigné loin de sa destinée. Et pourtant, c'est poussé au poussé. Près de sa destinée. But it got better. Là, madame Potiphar, by menti à sous Joseph. Lui pensait, c'est fini la fin à Joseph. Mais ça, pas qu'on est. Là, Joseph allé en prison. Bon Dieu positionnait Joseph pour le faire connexion. Parce que si Joseph était été dans la caille Potiphar, il y a une connexion qui n'est pas faite. Connexion qui pourrait mener Joseph côté pour l'aller à. C'est dans la prison, en fait. Connexion
qui pourrait amener Joseph dans son lieu de destinée. Le fait dans le confinement, dans la distance sociale, là, dans le coronavirus. Là. Somebody help me preach that word. Même qu'on est mon Dieu t'a fond des gars. Même qu'on est mon Dieu t'a fond route. Même qu'on est mon Dieu t'a fond causé. Même qu'on est mon Dieu t'a fond des blousailles. Même pas qu'on est si c'est dans le confinement t'a fait. Même pas qu'on est si c'est dans la distance sociale t'a fait. Même pas qu'on est si connexion fait dans la prison. And one day, Pharaoh had a dream. God gave Pharaoh a dream to fulfill Joseph's dream. One day, Pharaoh had a dream. God gave Pharaoh a dream to fulfill Joseph's dream. Bambi na Creole. On joue. Pharaon fait un rêve. Bon Dieu bail Pharaon rêve li balia pour le capable accompli rêve li te bail Joseph là. No one could tell Pharaoh the meaning of his dreams. He called his gods and nothing happened. He called his boko and nothing happened. He called his masologe and nothing happened. He called his mambo and nothing happened. Et connexion. Bon, comment nous t'ai rencontré lors tes petits? Pas penser que connexion, bon Dieu, fait le fait pour grand ici. Et qu'on est qui te dit, me songez, Pharaon. Grand Pharaon. Me songez. Bon, connexion, me t'ai fait dans prison. Bon, il suffit qu'on dit le rêve là. Là, tout ça, il veut dire. Pharaon dit, mais le bon. Et là, Joseph arrivait devant Pharaon. Pharaon, Joseph expliquait le rêve là. Pharaon m'a dit, mais qui est-ce même dans toute Égypte qui puisse sage pour ne pas être responsable de ça? Et la Bible a dit, Pharaon fait de Joseph le premier ministre de l'Égypte. Et il relève Zaphnat Panea. Which means the man whom mysteries are revealed to. L'irélé Zaphnat Panea, which means the man to whom mysteries are revealed. Bon, dis-le encore. L'irélé Zaphnat Panea, ce qui signifie l'homme à travers lequel les mystères sont révélés. M'déclarer, bon Dieu pas seulement révélé mystère à travers vous-même. Bon Dieu a fait de vous un mystère. Carrière a pour mystère. La vie a pour mystère. Progrès dans l'évangile a pour mystère. Développement dans mon Dieu a pour mystère. Petit ou a pour mystère. L'église ou a pour mystère. Sous ta grosse samedi, levez mon coteau, dis alléluia. Joseph criait et me posait mes questions pour qui? Joseph criait parce que l'ouais. En dépit de ça, ennemi en fait. Rêve bon Dieu a accompli quand même. Et Joseph dit, monsieur, amen. Notre texte nous sautoué. Dans Genèse chapitre 50. Il dit comme ça. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité. Ou t'es fait plein pour te faire mal. Ou t'es fait plein pour te tuer. Ou t'es fait plein pour te détruire. Ou t'es fait plein pour finir avec moi. Ou t'es fait plein pour péter fiel moi. Mais Dieu l'a changé en bien. Il déclarait que ça, bon Dieu, t'es fait pour Joseph là. Que le fait pour matin au nom de Jésus. Que lui change tout mal yo en bien. Que lui change tristesse yo en joie. Que lui change deuil yo en allégresse. Que lui fait, aïe aïe aïe, que sale yo te fait pour tuer yo là. Que c'est lui l'utiliser pour lever yo.
Moi déclarer c'est pour vous tout tourner gloire. Moi déclarer c'est pour humiliation tourner élévation. Moi déclarer c'est pour malhonnête tourner une occasion de miracle. Moi déclarer c'est pour abandon mener à l'abondance. Moi déclarer c'est pour bêtise tourner une bénédiction. Moi déclarer c'est pour mon Dieu faire toute bêtise bébé. Moi déclarer c'est pour que yo tourne yon couronne. Moi déclarer c'est pour défaite yo changer en délivrance. Moi déclarer c'est pour échec yo mener à l'espérance. C'est pour faute yo tourner force. C'est pour cagotte yo tourner grâce. C'est pour hurlement yo changer en hosanna. Moi déclarer que jugement yo changer en justice. Que kamoke yo tourner tapette. Moi déclarer que nuisance yo tourner yon chant nouveau. Que obstacle tourne yon occasion. Que peur yo tourne productivité. Moi déclarer que rel yo tourne réjouissance. Que tentation yo tourne témoignage. Que vexation yo tourne victoire. Que royaume yo tourne roi. Gardez ça passé. Moi déclarer que bon Dieu change Zanexio en exaltant. Que bon Dieu change Zantakio en recevoir la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la Zoé, Zoé dans le cas là, Zoé dans le cas là, la vie mon Dieu dans le cas là, puissance mon Dieu dans le cas là, grâce mon Dieu dans le cas là, faveur mon Dieu dans le cas là, bénédiction mon Dieu dans le cas là, que mon Dieu change tout mal en bien, au nom de Jésus. What does it mean? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. John Piper says it this way. No ill before the saints, but what God loves permits. And I add, even this ill is for their good. Si m'ta mette le langage créole côté tout le monde ka comprendre. M'ta dit depuis ça c'est Sœur Marie t'a expliqué m'ni comme ça, Sœur Marie Terville. Dis bon Dieu merci pour servante ça. Depuis frère Andy t'a expliqué m'ni dans même sens là tout. Depuis ces bagailles qui passaient petit bon Dieu. Yo pas jamais rivé pour mal yo. Même si yo souffri, c'est toujours pour bien yo et pour la gloire de Dieu. Yo raconte histoire. Yon roi qui était gon serviteur. Et ce serviteur croyait en la bonté de Dieu. Esclave ça, quelle que soit circonstance qui rivait, il joint un moyen pour louer la main de Dieu là-dedans. Mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe pas. Et puis tout le monde a dans la chasse, le roi et son esclave. Et puis chemin faisant, une bête sauvage qui attaque le roi. Et puis tout esclave là, regardez, esclave ça béton qu'on met avec là et puis tout tué. Mais ça esclave là pas qu'à empêcher. Il n'y a pas qu'à empêcher dans la bataille là. Bête là. Raché, douet, roi. Il coupe la dent et puis il va aller. Roi perdu douet là. Et puis pendant qu'on a levé, l'esclave là qui toujours croit dans monter bon Dieu, il dit, mon roi, Dieu est bon. Ne vous découragez pas. Et puis tout maître là dit, si mon Dieu est bon pour ça, pour qui ça, il quitte bête là, attaquer, et puis tout va lever, il flanque l'esclave là dans la prison. Et puis tout pendant l'esclave là rentré dans la prison, il dit Dieu est bon. Il dit Dieu est bon. Et puis tout gonlè, esclave dans la prison. Et puis tout gonlè, roi à la chasse pour qu'on te parle. Et puis tout pendant roi à la chasse. Et puis tout tombé sous un paquet de cannibales. Moun qui mangeait moun. Aux tribus barbares. Et puis tu prends monsieur pour aller sacrifier sous l'autel. Puis ils ont offert monsieur comme sacrifice à leur Dieu. Après ça, pour manger monsieur. Mais, groupe cannibale, ça, ils n'ont pas cru dans offrir à divinité. Moun qui manquait un son. Ils n'ont pas offrir un sacrifice qui est complet. Et puis tout, pendant offrir de marier monsieur, il a fait dernière inspection. Ils ont regardé, ouais, monsieur, ma douette. Douette bête là, tu manges là. Et puis tu dis, nous ne pouvons pas offrir monsieur un sacrifice. Divinité n'a pas accepté monsieur et puis tu vois monsieur aller. Là, monsieur arrivé, monsieur rentré dans la prison côté de Ténèque là. Monsieur dit, monsieur, si je me dis ça que fait son arrivé là. Ou dis-moi, bon Dieu, ça va.
Monsieur dit comme ça, chaque sauvé. C'est bête ça que t'es coupé droit moi. Si bête la pas manger droit moi, nèg t'a sacrifié. Et puis tout l'aime je dis ça. Esclave a tombé pour père. Michel tombé danser. Michel tombé relé. Et puis tout voit monsieur, pour qu'il soit danser comme ça. Bon, pour t'a tout dit ça me mettre en prison. Monsieur dit on va comprendre. Sous pas te mettre en prison. On tape là. Et puisque moi même pas de droit qui manquait. C'est moi même. Yo t'a sacrifié. Ça veut dire l'autre mettre en prison. C'est mon Dieu qui a agi. Les doigts mettre la demande doit toi. C'est mon Dieu qui a agi. Qui t'aime dit aïe aïe aïe. Ou qui ne doit pas comprendre les couleurs. Ou qui ne doit pas comprendre trahison en couleurs. Ou qui ne doit pas comprendre complot en couleurs. Ou qui ne doit pas comprendre coup de couteau en couleurs. Ou qui ne doit pas comprendre humiliation en couleurs. Ou qui ne doit pas comprendre défaite en couleurs. Mais c'est mon Dieu qui a agi. Parole l'a dit. Aucun malheur ne t'arrivera. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dans la vie, petit bon Dieu, ya. Même maladie, c'est pour bénédiction. Là. Même tombelle, c'est pour bénédiction. Là. Et m'a dit, on va qui pire. Dans la vie, petit bon Dieu, ya. Même l'elle mourit, son bénédiction. Dans des Paul dit, aïe aïe aïe, Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Et pendant que j'essaie de comprendre, pendant que j'essaie d'établir connexion entre cette réalité, j'entends Paul qui déclarait dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8, préparons Yasuka pour chanter, préparons pour chanter, puis devant ma comprendre pour qui, préparons pour chanter cantique ça. Et puis j'entends Paul qui déclarait dans 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Et puis tout dit, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Si on te connaît, pendant qu'on te crucifié Jésus, si on te connaît, pendant qu'on te craché dans la figure, c'est nom qui t'a libéré, c'est fadom qui t'a payé. C'est vim qui t'a assuré. C'est famine qui t'a sauvé. C'est diable qui t'a tombé. Yo pas t'a joué encore. Parce que lève les paroles là. Dans Esaïe 53. Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est son nos souffrances qu'il a porté. Le chat, aïe, 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 il a été brisé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aucun malheur ne t'arrivera. Pas dit malheur, pas privé. Mais dis-moi, rien pas privé sans permission, mon Dieu. Et quel que soit ça qui t'arrive maintenant, c'est pour bien m'nier. So, pastor, what do I do? I lost my family in coronavirus. Pastor, what do I do? I lost my job in the process. Pastor, dis-moi ça pour me faire. It is the Reverend Dr. Howard John Wesley who once said, life boils down to one question. Do you trust God? C'est pasteur, docteur Howard John Wesley qui déclare. Il dit, ou capable de résumer la vie à une seule question. Est-ce que vous faites bon Dieu confiance? Do you trust him when things are bad? Ou faites confiance, les tout le monde levé contre vous. Ou faites confiance, les la vie a chaviré tête en bas. Qu'on est. Puis devant, n'a pas Jésus dans la gloire. Puis devant, n'a pas compris pour qui. Prends courage, frère. Fais qu'on est content. Parce que un jour, en vérité, un jour, on va comprendre pour qui.
pendant que tu baisses les jours fermés, ouvre le cœur pour tenter de cantiquer ça et pour avoir force et confiance en mon Dieu. Nous espérons que nous sommes bénis par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour nous. Dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous laguions dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.